terminé. Dépêche-toi, téléphone. Oui. Allô, oui? Il y a quelqu'un? Mujia, c'était qui? Le professeur Hirata? Il a raccroché? Oui. Il avait l'air d'être pressé au son de sa voix. Il t'a dit quelque chose? Non. Il m'a juste dit que c'était urgent. Il avait beaucoup de bruit autour de lui. J'espère qu'il ne voulait pas encore me demander d'aller sur cette île. Excusez-moi, madame. Oui. Juste une question. La maison des Kusanagi est dans le quartier, n'est-ce pas? Ne craignez rien, je veux juste savoir s'il boit de l'alcool. Il boit du saké et du rhum. C'est aussi un amateur de bourbon. Mais il n'est pas fan de scotch. Vous ne pourrez pas être mieux renseigné, monsieur. Voici sa fille. Je me nomme Asagi. Oh, je vous avais pas entendu. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Yonemori a insisté pour nous faire la cuisine ce soir. C'est gentil, tu trouves pas? C'est bon, on peut y aller? C'est bon. Une minute. Comment avez-vous... Les vacances m'ennuient et vu votre emploi du temps, je me suis dit que je pourrais vous aider aux tâches ménagères. Si un travail non payé ne vous dérange pas, j'en ai un pour vous. C'est pas vrai? Où ça? Dans le Pacifique? Alors, je vous compte? Oh oui! Ce sera encore long. Aucune idée. Nous partons à la recherche de l'atoll qui dérive. T'es jamais inquiet de laisser une jeune fille toute seule à la maison? J'ai confiance, tu es une grande maintenant. Je ne crois pas que ce soit vraiment le propos. Nous avons Christmas Island, puis les îles Gilbert, ensuite les côtes des îles Caroline et pour finir, à l'est de la fosse des Philippines. En reportant sur cette carte le lieu de tous ces témoignages dans l'ordre chronologique, on obtient ceci. Monsieur Kusanagi et moi-même sommes plus que certains que l'atoll est en train de suivre le courant noir depuis le nord du courant de l'équateur. Donc, d'après l'endroit où il a été vu pour la dernière fois et la vitesse du courant, on a calculé approximativement où il se trouvait. Messieurs, on devrait tomber dessus dans cette zone. Que peut bien me vouloir la police de Nagasaki? Mon nom clignote sur vos ordinateurs. Oh non, rassurez-vous. C'est le laboratoire de recherche du professeur Hirata qui m'a donné votre nom. C'est à propos de l'île Imegami, c'est ça? J'ai un rapport qui mentionne la présence d'un grand oiseau rare là-bas. Oui. C'est pourquoi le professeur et toute son équipe y sont allés. Ils sont injoignables depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Il leur est arrivé quelque chose? Eh bien, pour tout vous dire, je ne sais pas. Un agent et un marin du coin ont disparu. Leur dernier message disait « oiseau ». Oiseau, vous dites? C'est la police, répondez! Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais!
C'est la police qui vous parle. Hé hey ! Bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un ? Vous connaissez le nombre de gens qu'il y a sur cette île ? 6 familles, 17 personnes au total. Et d'après vous, ils auraient tous disparu à cause d'un oiseau ? J'admets que c'est un peu dur à croire, mais... C'est impossible, voyons. La seule forme de vie capable de faire ça, entre nous, inspecteur, c'est l'humain. C'est peut-être une nouvelle espèce ou un truc dans le genre. C'est quoi ce truc ? À première vue, on dirait une énorme pelote. Une énorme merde, oui. C'est une masse de résidus regorgés, mais je n'en ai jamais vu de cette taille. C'est le stylo du professeur. J'ai un signal. Contact sonar à tribord. Signal sonar, contact à tribord. S'il vous plaît, docteur Nagamine, il est tard, rentrons. Nous reviendrons demain. Il va faire nuit dans pas longtemps. Et alors, peut-être qu'il est nocturne. Nocturne ? Raison de plus pour qu'on fiche le camp d'ici tout de suite ! On n'est pas équipé pour ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait s'il commence à nous attaquer à la tombée de la nuit ? J'aurais aimé au moins le voir. C'est lui le suspect. Faudra revoir la taille de nos cellules. Inspecteur, debout. Il faut le suivre. Le suivre ? Mais vous êtes complètement folle ou quoi ? Il est parti chercher de la nourriture. Mais si on le suit, c'est nous qui allons servir de repas. Faut qu'on sache où il va, pour prévenir les populations menacées, au cas où. Un oiseau ? Confirmez, s'il vous plaît. Vous avez bien dit un oiseau ? Oui, mais pas n'importe lequel. À vue d'œil, il dépasse les 15 mètres d'envergure. Et c'est pas tout. Il attaque l'homme, c'est un carnivore. Désolé, je ne peux pas vous croire. S'il était si gros que ça, la base radar Kasuga du FDD l'aurait déjà détecté et serait en alerte. Vous dites FDD ? Les forces de défense ? Encore trop loin. Vous, écoutez-moi bien. Cette chose peut faire beaucoup de dégâts, alors faites passer ce putain de message à qui de droit ? Il faut qu'on se rapproche encore. Vous aimez le danger ou quoi ? Ceux qui sont en danger pour l'instant, ce sont les habitants de cette île, inspecteur. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Approchez-nous plus.
ça. Continuez à attirer son attention. Ça va peut-être lui faire oublier cette île. Docteur, c'est plus facile à dire qu'à faire, sans vouloir... Maintenant, on a un nouveau pilote. Seul. Je suis en direct de l'île Imegami, où plusieurs villages auraient été attaqués par des oiseaux de très grande taille. D'après les autorités, ils se cacheraient quelque part sur l'île en ce moment même. Les forces de défense du Japon sont en alerte, mais pour l'instant, leur mission est de les localiser. Ils n'ont pas reçu l'ordre de les tuer. Pour en savoir plus, voici les images du docteur Nagamine. Cet ornithologue les a vues et nous en parle. Est-il vrai que l'équipe de recherche a été dévorée? Calme! Êtes-vous vraiment sûr que ce sont des oiseaux? Non, ce n'en sont pas. Ils ont des crocs et pas de plumes. De tels oiseaux n'existent pas. Mais reculez, bon sang! Incroyable, 60 mètres de long sur 45 de large. Et ça a l'air plein comme un œuf. Comment une masse aussi gigantesque peut-elle flotter comme une feuille? Et le taux de radiation? Il est extrêmement bas, monsieur. On peut aller voir ça de plus près, il n'y a aucun danger. Ça y est, toi aussi, t'en as trouvé un? Il y en a d'autres? Ça oui, l'atoll en est couvert. C'est comme s'ils avaient été posés là pour être vus. Chose? Non. Déterrons cette chose. Je vous en prie, venez avec moi. Ce n'était pas notre accord, inspecteur. J'avais juste accepté d'aller sur l'île. Je viens de dire la même chose à mes supérieurs. Écoutez, de toute façon, je dois rentrer chez moi. Docteur, on a vraiment besoin de vous. Je dois me changer. Aucun problème, on trouvera des vêtements propres. Inspecteur, j'ai besoin d'un peu de temps. La mort du professeur me bouleverse. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Pardonnez-moi, je n'y avais pas pensé avec toutes ces histoires. Vous savez, on essaie juste de sauver des vies. Pardon, sincèrement. Très bien, je vous suis. Où allons-nous, inspecteur? D'abord, laissez-moi vous présenter le commissaire Saito, du ministère de l'Environnement. Coupons court à ces formalités, voulez-vous? Docteur Nagamine, il y a à peu près une heure, le gouvernement a décidé de capturer ces formes de vie inconnues. Non seulement d'un point de vue académique, mais aussi pour le pas important que cela représenterait dans la protection des espèces. Nous attendons de vous que vous nous aidiez à les capturer. Moi? Vous aider? Vous êtes sérieux? Vous êtes très jeune. Mais vous êtes la seule spécialiste dans ce domaine à les avoir vus d'aussi près.
Leur champ d'action est visiblement très vaste et leurs attaques mortelles. À ce jour, on déplore 25 morts. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Le gouvernement a décidé que l'armée allait s'occuper de cette opération. Sauf votre respect, c'est trop dangereux. Quoi ? Nous ne savons rien d'eux, ni leur mode de vie, ni leur type de comportement. Les capturer sur des hypothèses représente un grand risque, monsieur. Docteur, le Premier ministre a déjà pris sa décision. Encore un peu. Là ? Ouais, bouge plus. Hé, viens me donner un coup de main. J'arrive. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter l'appareil photo, s'il vous plaît ? Monsieur Okino ? Oui ? L'appareil ? Non, je vous l'apporte. Peut-être que cet atoll est une tombe comme les tumulus funéraires des temps anciens. Un hélicoptère vient vous aider à le hisser hors des rochers. Il sera au-dessus de vous dans une minute. Bien reçu. T'en fais une tête. C'est à la température du corps. Hein ? Il y a un bruit aussi. On dirait une sorte de battement. Que se passe-t-il ? Et si tout simplement, on leur tirait dessus avec des pistolets anesthésiants, ça peut être une solution, ça, non ? Vous imaginez s'ils tombent dans la mer ? Ils pourraient se noyer. L'anesthésiant que l'on utilise en ornithologie agit lentement, il paralyse les muscles. Le problème, c'est le dosage. Si on en met trop, ça pourrait bloquer leur respiration et les tuer. C'est un sacré casse-tête, votre truc. Il faut trouver un endroit pour les piéger. Est-ce qu'on utilisera comme appât ? Je sais, des graines. Des grosses, alors ? L'endroit d'abord. Et là, j'avoue, je cale. Il est devant vos yeux. Oui, regardez, docteur. Le voilà, votre endroit. Hercule 1, nous survolons l'île Megami, RAS. Hercule 1, ici Harry Hawk, bien reçu. C'est le fait qu'ils choisissent précisément l'île Megami qui m'a donné cette idée. Tout comme les oiseaux migrateurs, ils semblent se déplacer selon les champs magnétiques de la Terre. Si l'on suit ce raisonnement, il est quasi certain que leur prochaine destination pour trouver de la nourriture est ici, à Fukuoka. Encore faut-il arriver à les guider. J'espère que vous savez ce que vous faites. Nous savons qu'ils évitent la lumière, ça devrait fonctionner. Vous avez dit de vrai. Dorénavant, évitez le conditionnel. Sauf votre respect, n'est-ce pas à cause de vous que nous essayons de capturer ces créatures dans des conditions pareilles ?
Désolée, mais je fais de mon mieux avec ce qu'on me donne. Veuillez m'excuser. Harry Hawk, ici Hercule 1. Contact visuel. Les trois cibles viennent de s'envoler. Pensez-vous pouvoir les guider tous les trois? Oui, c'est pour ça que j'avais demandé trois hélicos. Initialisation des procédures de guidage. À vos ordres. Il y a un hélico civil dans le périmètre. Peut-on me dire ce que fait un hélicoptère de la presse dans cette zone? Monsieur, et elle se dirige tout droit dans votre direction. Cette créature, quelle taille fait-elle? 45 mètres de large sur 60 de long. Bon sang, nous avons déjà sur le dos trois créatures volantes de plus de 15 mètres. Le guidage fonctionne, monsieur. Il se dirige tranquillement vers le stade. Hercule 1, heure estimée d'arrivée, 20h20. Je descends sur le terrain. Oh, vous avez vu ça? Le sang-froid et la classe. Avion radar au rapport. Objet non identifié en approche par la mer à 10 km des côtes nord-nord-est. Un objet? Ça ne peut être qu'un bateau. Négatif, forme inconnue confirmée. Il se dirige vers nous, vitesse 12 nœuds. C'est l'atoll, c'est lui. Tous à vos postes. Trois CC par injection? Vous ne pensez pas que c'est un peu trop? Est-ce qu'on en sait? Vu leur taille, pour que la paralysie soit rapide, il faut moins ça. Lumière, go! Lumière. On joue? Ils sont à vous! Toi. À vos ordres. Ils sont à l'intérieur. Fermez le toit immédiatement. Oui. Thank you.
Faut les avoir tous les trois en même temps. C'est bon. Non, attendez, pas encore. Feu ! Il y en a un qui s'échappe. Relevez armes! Quelque chose ? Nous dépendons du ministère de l'Environnement. Nous ne sommes pas équipés pour ce genre d'action. Et même si nous l'étions, nous ne sommes pas habilités à nous servir de nos armes. À moins que l'ennemi ouvre le feu, on ne peut rien faire. Appelez le secrétaire de la Défense. À vos ordres. Silence, s'il vous plaît. Direct dans 4, 3... Bonsoir. Voici un flash spécial. Votre programme reprendra dans quelques instants. On signale qu'il y a 10 minutes, un monstre, je dis bien un monstre, est apparu dans le port de Fukuoka. Les forces spéciales ont été envoyées sur le site. Je répète, un monstre gigantesque vient d'apparaître dans le port de Fukuoka. Les forces spéciales sont sur le site et déploient toutes leurs troupes. Le monstre semble maintenant se diriger vers le stade de baseball. Le même stade où en ce moment même les opérations de capture des trois oiseaux trouvés sur l'île Imigami sont en cours. Il est encore trop tôt pour dire s'il existe une quelconque relation entre le monstre et les oiseaux. Cependant, les autorités craignent qu'il vienne perturber la mission de capture. Le monstre se trouvant dans la baie d'Akata, tous les habitants vivant dans cette zone, ainsi qu'au sud du port de Fukuoka, doivent évacuer. Les autorités ont mis en place des cordons de sécurité pour aider ces milliers de personnes. Thank you.
Repliez-vous! On se tire! À toutes les unités, battez en retraite! Ordre d'évacuer les lieux, sergent. Cela vaut aussi pour vous, docteur. Ah bon? Tout à l'heure. Pourquoi donc ce monstre tente-t-il d'y entrer ? À cause des oiseaux ? Quoi ? Vient d'y faire échouer la capture des oiseaux. En effet, vers 21h, et nous ne savons toujours pas pourquoi, le monstre est venu jusqu'ici et a laissé s'échapper deux oiseaux déjà capturés. L'hypothèse la plus plausible de la présence du monstre est qu'il venait se nourrir une forme de fourrier à la droite. Il a détruit les cages, mais semble avoir été incapable de les attraper. Comment ont-elles pu être coupées si proprement, d'après vous? C'est drôle, j'allais vous poser exactement la même question. Le monstre se cacherait au fond de la mer intérieure de cette eau. Les autorités ont envoyé des messages d'alerte à tous les bateaux se trouvant dans ces eaux. Tous les quartiers autour d'Akata qui ont été évacués restent fermés pour le moment. Des camps de fortune pour les réfugiés ont été installés au nord de la baie. La Chambre des représentants est en train de débattre en ce moment même sur un projet de loi autorisant les forces de défense à attaquer. Ce débat sera sûrement court. En effet, ce n'est que quand cette loi sera votée que l'armée pourra se mettre en action et passer à l'offensive. T'imagines s'il venait à Tokyo? Ça serait cool, on le verrait de près. Tu dis n'importe quoi!
vivaient, nous, sont hors de prix. Je sais, c'est à cause du monstre. Tous les bateaux de pêche du coin sont bloqués au port jusqu'à nouvel ordre. Ah, j'en connais un qui va adorer ce monstre. C'est mon mari, il déteste le poisson. Ryuji, arrête, qu'est-ce qu'il prend? Ryuji, tu m'écoutes un peu? Viens, on s'en va et arrête tes bêtises. Mon Dieu, cet enfant est fou. Oh, vous recevez ce soir? Oui. Excuse-moi, non, mais tu m'écoutes là où tu manges? Je vous écoute. Ces gravures ressemblent donc à d'autres trouvées dans les anciennes Pyrénées. Allez-y, continuez. L'expert indique aussi que ces gravures semblent appartenir à la même famille que les inscriptions runiques originaires d'Étrurie. Voyez-vous ça? Les runes étaient surtout gravées sur du bois. Tu sais ça, toi? Tu devrais lire plus de livres d'aventure. Et il a réussi à les déchiffrer? Au bout du compte, cela n'a pas été trop dur. Beaucoup de caractères correspondent. Le dernier espoir du monde, Gamera. Nous l'endormons dans le berceau du temps. Prions pour qu'il se réveille, si jamais revenait l'ombre du mal, Jiaos. C'est quoi au juste? Aucune idée. On dirait une prophétie. J'ai aussi reçu les analyses du métal qu'on a trouvé. Oh, mais oui, vous faites bien d'en parler, j'avais oublié. Un souvenir de l'atoll, c'est pour toi. Ah, c'est très gentil, merci. Oh, tu rigoles là, c'est la propriété de la compagnie. C'est vrai, oui, mais je ne l'ai pas volé. C'est celui que j'ai trouvé. Monsieur, on en a des douzaines, alors une de plus ou de moins. Alors, c'est bon? D'après les analyses du labo, ce métal n'existe pas ou n'a pas encore été découvert. Vous parlez d'une substance inconnue? Ils disent aussi que sa forme, en virgule, aurait un rapport avec les anciennes civilisations du Japon. Si le horicalcum mentionné dans les livres de Platon existait, ce pourrait être ce genre de choses. Horicalcum. C'est le métal qu'ils utilisaient sur l'île de l'Atlantide. Oh là, une minute. L'Atlantide, au juste, c'est quoi? C'est une légende qui parle d'une île qui aurait été engloutie dans l'Atlantique avec tous ses habitants il y a 12 000 ans. Je te rappelle que j'ai trouvé ça dans le Pacifique. La légende d'un continent englouti a pu se propager dans le monde entier sous différentes versions. Cette Atlantide-là n'est peut-être pas celle de Platon. Vous pensez que ce monstre a été créé par l'homme? Oh là, je suis sûr de rien. Si tu peux me dire comment ce monstre vole comme une soucoupe volante, je prends. Et toute cette énergie, il la tire de quoi? Le plutonium. Dans le berceau, il sommeille, il patiente depuis 12 000 ans, Gamera. Oh, c'est chaud. Alors, si le monstre est Gamera, ces oiseaux doivent être Jaws. Nagamine, elle est en mission. En mission? Je peux vous demander laquelle? Vous n'êtes pas au courant? Ils ont trouvé autre chose sur l'île Megami. On dirait qu'ils ont été attaqués, mais par quoi? Non, à cause de nous, l'autre jour, les parents ne sont pas revenus les nourrir. Je pense plutôt qu'ils se sont dévorés entre eux. Gamera et Jaws. Connaissant vos dossiers respectifs, je suis surpris qu'une telle hypothèse vous soit passée par la tête. Mais puisqu'il leur faut des noms... Ce monstre des mers... Ce Gamera est une bien plus grande menace.
Vous imaginez le tableau s'il en venait à s'attaquer aux humains ? En acceptant que ce Gamera soit effectivement là pour les oiseaux, pourquoi a-t-il été se cacher dans la mer de Seto ? Vous avez une idée, professeur ? Il vient de se réveiller d'un long sommeil. Il se peut qu'il soit en train de se recharger en énergie. C'est peut-être une des causes de la baisse anormale du courant électrique dans toute cette zone, monsieur. Professeur, j'ai bien peur que vous soyez comme beaucoup à vouloir tout rattacher à ce monstre. Vous en savez plus sur les œufs ? Oui, monsieur. Ce que j'ai à vous dire est surprenant. Les isotopes carbone des jeunes oisillons ainsi que ceux de la coquille de leurs œufs ressemblent de très nombreux points à ceux d'espèces éteintes depuis 10 000 ans. Le laboratoire est affirmatif. Nous avons aussi découvert que ces oiseaux possèdent tous une étrange caractéristique. Ces jeunes étaient tous des femelles. Comment font-ils pour se reproduire, alors ? Et si ces oiseaux ne peuvent pas se reproduire, les deux qui se sont échappés sont les derniers. Cela les rendrait encore plus rares que l'ibis du Japon. Monsieur, l'ibis ne mange pas les gens. Cible repérée. Cible repérée. Remonte à la surface rapidement. Hé, hey, les gars, ils ont retrouvé le monstre. C'est pas vrai. Et si, je viens de le voir dans la salle vidéo. La FDD l'a repéré du côté de la péninsule de Ki. Ils vont attaquer cette fois ? Oui, bien sûr, ils vont attaquer. Avec tous les morts qu'il y a eu, c'est obligé. Oh, tu vas voir, ils vont le réduire en poussière. On y va. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Faut que j'y aille. Salut, à demain. Tu t'en vas, Asagi ? Mais où est-ce que tu vas ? Oui. Oui. Bien reçu. Oui. Code 3, priorité. C'est l'armée de l'air, monsieur. Ils ont perdu la cible. Mission de recherche réengagée. Où est-ce qu'ils se cachent encore ? C'est mort. Inagamine, vous avez son numéro ? Toute l'équipe est injoignable, c'est inutile. Pourquoi n'avions-nous pas été informés de la présence des oiseaux ? C'est elle la spécialiste des oiseaux, et puis nous nous occupions déjà de l'atoll. Mais maintenant nous sommes liés. La gravure, Gamera, puis les oiseaux. Elle aurait quand même pu appeler. Les oiseaux sont toute sa vie, pas toi. Et pourquoi l'armée ne les protège pas si Zhao est dans le coin ? Ça peut être dangereux. Vous entendez ça ? C'est proche de nous. Les oiseaux sont là, vite, fuyez ! Venez, vite, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous de ce côté-ci, allez, venez ! Tous à la mairie, il y a un abri à la mairie ! Dépêchez-vous ! Allez, dépêchez-vous ! Tout le monde à la mairie, allez ! C'est le monstre ? Non, ce sont les oiseaux, ils sont là ! Faut pas rester là ! Y a un abri à la mairie ! Ils sont où exactement ? Du côté du pont ! Allez, dépêchez-vous, messieurs dames, vite ! Tous à la mairie ! Tous à la mairie ! Non ! Bah oui, retournez, serait du suicide ! Mon fils est là-bas ! Madame, je vous en prie ! Est-ce que vous avez évacué une équipe de chercheurs ? Non, ils sont tous encore là-bas, je crois. Non ! Madame, restez là ! Oh!
êtes venu? Comment vous remercier? Sans vous, je... Non. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. Vous aviez raison. Gamera est de notre côté. Chers voyageurs, les autorités viennent de nous informer que le monstre est réapparu sur les côtes de la mer Arima. Il se dirige en ce moment même vers les quartiers de Tokai. Pour des raisons évidentes de sécurité, ce train ne dépassera pas la station Mishima. Je répète, terminus Mishima. Les autoroutes de Tomei et de Chuo viennent d'être fermées jusqu'à nouvel ordre. Les trains à grande vitesse de Tokaido ont été réquisitionnés et vont faire des arrêts d'urgence dans toutes les stations concernées pour évacuer le plus grand nombre de personnes. Pour des raisons de lisibilité de l'information, le gouvernement a annoncé que désormais, le monstre aura pour nom de code Gamera. Les oiseaux d'origine inconnue, quant à eux, sont les Jiaos. Gamera, donc, la créature qui avait attaqué le stade de Fukuoka et qui depuis restait introuvable est réapparue aujourd'hui dans la mer d'Arima. D'après le porte-parole des armées, il a décollé et volerait vers les quartiers de Tokai. Les forces armées du Japon sont sur le point d'envoyer les premiers missiles. En effet, le projet de loi permettant l'offensive a été voté cette nuit. Il a été décrété que la créature la plus menaçante était Gamera. Flash spécial. À 14h10, aujourd'hui, l'armée a tiré sur Gamera deux missiles de type sol-air. L'impact a eu lieu alors qu'il volait au-dessus de la baie de Suruga. L'état-major confirme que Gamera semble blessé et qu'il s'est écrasé au pied du mont Fuji. En ce moment même, l'armée de terre ainsi que l'armée de l'air, qui ont poursuivi Gamera, sont en train de l'encercler. Une attaque générale a été planifiée. L'armée pense en effet que seul un tir groupé peut être efficace. La détermination du gouvernement à détruire Gamera semble sans faille. En raison de tous ces événements, toutes les routes sur un rayon de 10 km autour du mont Fuji seront fermées. Le passage d'avions de ligne dans cette zone est désormais interdit. Au mont Fuji, s'il vous plaît. C'est une blague, il y a un monstre énorme là-bas, oubliez. Mais s'il vous plaît, emmenez-moi le plus près que vous pouvez. Non, pas question. Si vous aimez les monstres, allez au cinéma. Je vous en prie, monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Fusée éclairante dans 10 secondes. Bien. Ah !
Attaque numéro 1, feu! À toutes les unités, feu! Depuis le temps que j'avais envie de faire ce truc. Jiao, c'est dans le secteur. Cessez le feu. À toutes les unités, cessez le feu. Va-t'en. Sauve-toi. Attaque, feu à volonté! À toutes les unités, feu! Oh! Qu'est-ce qui vous prend? Mademoiselle! Réveillez-vous! Mademoiselle! Asagi? Gamera est sauf. Il s'est réfugié dans l'océan. Je crois qu'il va bien. C'est une bonne nouvelle. Jiaos s'est posé quelque part dans les bois du mont Fuji. On a très peu de temps devant nous. De quoi tu parles? Je sais pas bien. Mais d'abord, Gamera et moi, faut qu'on se repose. La mission de capture est toujours valide. Que pensez-vous d'un nouveau piège? C'est impossible. Ce spécimen est deux fois plus grand et plus fort qu'au stade de baseball. Son taux de croissance est très rapide. Vous pensez vraiment qu'il n'était pas salutaire que Jiaos repousse Gamera? C'est Jiaos qu'il faut combattre. Pas Gamera, messieurs, faites-nous confiance. Ah, la prophétie sur la gravure. Un scénario plus réaliste serait grandement apprécié. Écoutez-moi, ce que nous demandons, c'est juste que vous preniez les mêmes précautions avec Jiaos qu'avec Gamera. Jiaos a déjà tué plusieurs fois. Merci, nous sommes au courant. Sachez que par mesure de précaution, nous installons des projecteurs au sol dans toutes les zones denses en population. Nous sommes désolés,
pour les familles des victimes, mais supposez qu'à la place ce soit un tyrannosaure là-dehors. Bien qu'il serait une menace plus qu'évidente, il n'y a aucun doute que le monde entier le voudrait vivant. Oui. C'est pour vous. C'est la croix et la bannière pour vous joindre, docteur. Désolé, vous avez été rapide, dis donc. Pour notre ancien directeur de thèse, rien n'est assez rapide. Et l'échantillon valait le coup. Alors, il paraît que vous avez trouvé quelque chose ? Ça nous a fait penser à notre mémoire sur le réarrangement des gènes. Mais j'avoue qu'on ne s'attendait pas à de tels résultats. Docteur, vous n'allez pas me croire. Mais voici les chromosomes de Jaws. Une seule paire ? Impossible. Les chromosomes vont par paire ? Et les hommes, combien en ont-ils ? On en a 23. Le poulet en a 39, la grenouille verte 12. Une seule paire, c'est du jamais vu. L'information génétique d'une espèce se développe tout au long de son évolution. Certaines informations se perdent avec le temps. Ces chromosomes comprennent des tonnes de fonctions d'autres formes de vie sans aucune perte. Cette paire est parfaite. Vous avez tout revérifié, vous êtes sûr ? Docteur, il n'est pas le résultat d'une évolution. C'est plutôt comme si son code génétique avait été perfectionné. Il aurait été créé par quelqu'un ? Cela dépasse nos technologies conventionnelles. La cerise, c'est que cette paire contient des chromosomes de type X et Y. Le facteur Y désigne les mâles, non ? Écoutez, c'est impossible. Il y a une erreur. D'après l'autopsie, les deux Jaws étaient des femelles. Ça veut dire que nous sommes en présence d'un hermaphrodite, comme les escargots. En changeant de sexe, il n'a pas besoin de partenaire pour se reproduire. Mais quand il commencera, vous imaginez le tableau. Ils nous attaqueront pour se nourrir et se multiplieront très rapidement. L'ombre du mal, Jaws. Pardon ? C'est un passage de la gravure. Arrête de protéger Jaws. C'est une grave erreur. Ce n'est pas Gamera la menace. Je suis bien d'accord avec vous, mais je n'ai aucun pouvoir. Asagi en a un, elle. Asagi ? Non, vous n'êtes pas sérieux. Bien au contraire. Avec le bout de métal qu'elle a au cou, elle arrive peut-être à communiquer avec Gamera. Vous étiez là. Vous avez vu ce qui est arrivé quand je lui ai donné. Et puis, il y a ce qui s'est passé au Mont Fuji. Je ne sais pas, peut-être que ça lui a donné un rôle de prêtresse ou quelque chose comme ça. Nous avons manipulé ce métal tous les deux. Il ne réagit de cette façon qu'avec elle. Ce qui s'est passé au Mont Fuji ne peut être qu'une coïncidence. L'hôpital m'a dit qu'elle n'avait absolument aucun problème physique ni sanguin. Elle est juste fatiguée. Elle dort depuis qu'elle est rentrée. La civilisation a dû disparaître à cause de Jaws. Vous croyez ? Ils auraient tous été tués par leur propre création ? Mais Gamera alors ? Quand ils se sont aperçus que Jaws devenait hors de contrôle, ils ont dû avoir à créer Gamera dans l'urgence. Le dernier espoir, Gamera. Mais c'était déjà trop tard, c'est ça ? Possible. Peut-être que Gamera est leur legs aux générations futures. Mais... d'après vous, qu'est-ce qui a bien pu faire se réveiller Jaws ? Et surtout, pourquoi au Japon ? À ce niveau, tout ce que je peux vous proposer ne sont que des hypothèses.
Pour moi, quand les hommes ont fini par s'éteindre, Jaos a su qu'il était condamné à mourir de faim. Alors il a pondu des œufs dans plusieurs endroits sur Terre, sachant que ceux-ci allaient éclore dès qu'un environnement plus propice réapparaîtrait. Alors comme ça, l'environnement du Japon aujourd'hui serait enfin favorable pour Jaos? Qui sait? Le réchauffement de la Terre, la hausse des composés d'acide nitrique, l'augmentation des radiations ultraviolets, la déforestation, le taux de dioxyde de carbone dans l'air, entre nous, la liste peut être très longue. Une chose est sûre, cette civilisation nous a légué un terrible héritage. Notre héritage à nous ne sera pas bien plus reluisant. Quand je pense à tous ces déchets radioactifs. Combien d'années ça va rester? La durée de vie moyenne du plutonium est de 24 000 ans. Pour que cette chose disparaisse, il faudra des centaines de milliers d'années. Cette ancienne civilisation ne mérite aucun reproche. Nous sommes exactement en train de faire la même chose qu'eux. Hé, une minute. On est encore sûr de rien? Cette société a disparu, mais pas encore la nôtre. Elle a beau être corrompue, je ne veux pas qu'elle disparaisse. Nous allons empêcher ça. Le cabinet vient d'annuler la mission de capture de Jaos. Et dans la foulée, il a même voté son éradication. Une idée? Je ne vois qu'une chose qui pourrait vous aider. C'est de l'attaquer de jour. Il est nocturne. C'est le meilleur moment pour une attaque surprise. Et vous pensez que ce sera efficace? Oui, peut-être. Mais en revanche, nous ne devons pas sous-estimer son pouvoir d'adaptation. Nous ne savons rien sur ce sujet. Cela dépasse tous les organismes conventionnels. Des zones A et B terminées. Procédure de vérification préalable initiée. Bien reçu, tous les systèmes au sol parés. Missile sol.
solaire, type 81, armé et verrouillé. Même s'il tente de s'échapper par le ciel, ce modèle de missile pourra le suivre. Vous avez vu ? On dirait qu'il a des boucliers sur les yeux. Des boucliers ? Missile, feu ! Missile, feu ! Impact dans 6 secondes. 5, 4, 3. Commandant, impact négatif confirmé. Cible en mouvement. Se dirige vers le quartier sud de Shimbashi. Deux missiles en progression. Il se dirige vers le centre-ville. Il a dû repérer les missiles, c'est impossible. Oh non, la tour de Tokyo ! Le soleil n'est plus de notre côté. Jiaos est diurne, maintenant. La légende est donc vraie. Gamera est bien notre seul espoir. Où est-ce qu'il peut bien être ? Il n'est jamais là quand il faut. Monsieur, j'aurais honte à votre place. L'apparition de Jiaos pousse des centaines de milliers de personnes à fuir Tokyo. C'est l'exode le plus massif de l'histoire de la ville. Tous les trains à grande vitesse de Tokaido en direction de la province dépassent leur capacité d'embarquement de 180%. Malgré de nombreux trains supplémentaires, toutes les lignes du métro sont à présent saturées. Saturées aussi les autoroutes de Tomei et de Tohoku, qui totalisent à elles deux plus de 300 km d'embouteillage. Pour ne rien arranger, les autorités viennent de mettre le trafic aérien en suspens. Je vous propose de retrouver Chun-Li, notre reporter en direct de l'aéroport. Oui, les autorités ont finalement décidé de fermer l'aéroport. Le bruit des avions décollant ou atterrissant pourrait, selon l'armée, perturber Jiaos. Personne ici ne peut encore dire quand l'aéroport réouvrira ses portes. La fermeture de la bourse de Kabutocho a provoqué une baisse très rapide de l'indice Dow Jones industriel. Les places financières encore ouvertes sont débordées. Beaucoup de petits actionnaires vendent même à perte. L'intervention de la Banque du Japon n'a toujours aucun effet sur la chute inexorable du yen. L'armée préconise de ne pas sortir entre le lever et le coucher du soleil. Les grandes artères plus propices aux attaques de Jiaos sont à éviter. Évitez aussi tout déplacement inutile. Pour ceux qui prendraient ce journal en cours, l'état-major vous a fait parvenir plusieurs consignes de sécurité. Nous vous les répétons. Toutes les rues du quartier de Minato sont fermées à la circulation. Les habitants de ce quartier ainsi que ceux des quartiers voisins doivent, sauf cas d'extrême urgence, éviter de sortir pendant la journée. S'ils sont obligés de se déplacer, les habitants sont priés de le faire de nuit et surtout à couvert. Seulement un seul Jiaos a mis la ville sans dessus-dessous. Vous imaginez s'ils étaient encore trois ? J'ai entendu dire qu'il faudrait plus d'une semaine pour évacuer Tokyo. Je trouve cette évacuation ridicule. Quand il n'y aura plus personne ici, il ira se nourrir ailleurs. Bonsoir. Voici un nouveau flash spécial à la demande du gouvernement.
Une attaque à grande échelle sur Jiaos vient d'être décidée et aura lieu à 7h ce matin. D'après l'état-major, seule une opération combinant une attaque terrestre et une attaque aérienne peut être efficace contre Jiaos. Le quartier de Minato étant voué à devenir un vrai champ de bataille, tous ses habitants sont appelés à évacuer dans les plus brefs délais. Tous les accès routiers seront fermés dans 2 heures. Les navettes ainsi que les trains spéciaux arrêteront leur activité à 6 heures. Par mesure de précaution, toute personne se trouvant dans un rayon de 10 km autour de la tour de Tokyo doit elle aussi évacuer. Si vous vous trouvez encore dans cette zone, veuillez suivre scrupuleusement les consignes de sécurité que nous vous rapportons. Le ministère de l'Environnement n'a, pour le moment, fait aucune déclaration. Le porte-parole des Nations Unies, Stephen Rodman, a quant à lui déclaré que le monde entier attendait le résultat de cette attaque. Il a ajouté que le Japon pouvait compter sur les Nations Unies en cas d'échec de cette opération. On m'informe qu'un numéro vert vient d'être mis à la disposition des habitants de Tokyo. Et moi, qui croyais te connaître par cœur, me voilà bien dépourvu. Asagi. Asagi. Ma chérie. Si ça marche, je vous emmène danser au bal Natikiwa. C'est d'accord. Monsieur Kusanagi ? Asagi ? Mais pourquoi êtes-vous là ? Parce que j'ai confiance en ma fille. Selon elle, Gamera vient vers nous. Monsieur. Jiaos et Gamera se dirigent vers Akihabara. Prévenez l'état-major. Là. Oh
Alors suffisamment pour que je les voie. Faites ce qu'elle vous demande. L'amour du ciel, regarde-toi! Je ne veux pas te perdre à cause de ce bout de métal, tu m'entends? C'est lui qui te fait ça, pourquoi? Parce que Gamera est en train de se battre pour l'humanité tout entière et qu'il a besoin de nous! Je le vois. Thank you.
Donne-moi la main, papa. Il a gagné! Ça y est, tout va bien. Oui, il retourne dans la mer. Comment te sens-tu, ma chérie? Ça va, mais je n'arrive plus à lire les pensées de Gamera. Dites, vous vous rappelez ce que vous m'avez dit l'autre jour? Comme quoi Jaos aurait pu pondre d'autres œufs? Je m'en souviens. Et j'espère avoir tort. Sinon, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres un peu partout sur la Terre. Vous plaisantez. Ce n'est juste qu'une hypothèse. On ne sait jamais. Mieux vaut rester sur nos gardes. Qu'est-ce qui nous dit que Gamera sera là la prochaine fois? Si on a besoin de lui à nouveau, Gamera reviendra nous aider.